Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale sur la Tesla Model 3. Une vidéo dédiée spécifiquement au système d'infotainment. Donc, on a juste ici. Je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec cet écran, tout ce qu'on peut donc faire avec cette voiture. On va rentrer en détail puisqu'il y a un essai de la voiture qui a été réalisé. Et là, un essai en détail de tout ce qu'on peut faire avec cet écran. Donc, des paramètres de personnalisation, des paramètres de divertissement et autres. Donc, je n'en ai pas trouvé, alors je me suis dit je vais en faire un. Alors, quand on ouvre la porte, ça ouvre la portière ici par exemple. Quand je la ferme, hop, on voit vraiment tout ce qui se passe. On a ici ouvrir le capot avant, ouvrir le coffre, verrouiller le véhicule. Donc ça c'est la page d'accueil qu'on a ici. Lorsqu'on démarre à la voiture, on aura d'autres informations sur ce côté gauche de l'écran. À côté, à droite, ce sera tous les réglages et la carte qu'on a ici et les divertissements qu'on a juste ici. Donc là par exemple, je peux annuler le GPS et ensuite j'ai ici donc en gros hein, la vue satellite avec Google. Ça je peux ranger, je peux ressortir la musique ici, je peux remonter plus haut, je peux remonter encore plus haut à voir mon Spotify juste ici. Là, je peux toujours retourner là où je suis, zoomer, dézoomer. C'est assez rapide et peu importe où on va aller, on va pouvoir l'avoir. Donc, la voiture est connectée à Internet. Donc, c'est situé avec Internet et je peux aller vraiment partout, que ce soit en France ou. Ah, la carte est un petit peu tournée. Voilà. Et j'ai toute l'Europe entière avec le trafic qui est affiché. Donc, le trafic, je peux l'activer ou le désactiver. Après, pareil, je peux avoir la version carte ou je peux avoir la version satellite, donc ça c'est les premières choses ça fonctionne comme Google Maps très facile, comme un smartphone en fait tout l'écran ici va fonctionner très facilement comme un smartphone, vraiment rien de compliqué, ensuite on a des raccourcis qui sont toujours affichés en bas ici, la voiture qui est de cette façon, si je veux verrouiller c'est verrouillé Hop. je peux parler aussi à la voiture, par exemple lui dire d'ouvrir le coffre à l'arrière, d'ouvrir le coffre à l'avant elle va le faire avec la commande vocale la commande vocale, j'ai un petit bouton sur le volant juste ici on va commencer dans les menus. On va faire de gauche à droite. On va faire très simple. Donc, la voiture qui ressemble donc à notre modèle 3. Aujourd'hui, on a une modèle 3 Performance. Hop, j'ai les contrôles rapides, qui sont des raccourcis juste ici. Donc, pareil, on peut faire défiler à chaque fois. Contrôle rapide, éclairage extérieur off. Soit les veilleuses, soit les feux, soit auto et plein phare automatique. Donc, on peut activer ça ici, anti-brouillard arrière, si on a besoin. Donc, par exemple, là, là, on les a pas. Réglage des rétroviseurs. Je clique sur mes rétroviseurs et ensuite je joue avec la petite commande ici à gauche pour aller lever, descendre et pour monter, je monte vers le haut. Pour aller à droite, je vais vers la droite. Et ensuite, je dis rétroviseur de droite et je peux faire la même chose Hop, comme un joystick en fait sur une console. Abaissement auto, rabattement auto, assombrissement automatique. Abaissement auto, c'est lorsqu'on va mettre la marche arrière, il va se baisser pour qu'on puisse voir. Rabattement auto, c'est quand on ferme le véhicule ça se ferme et c'est pour la nuit et à chaque fois on éteint donc avec la petite croix là haut le volant pareil réglage du volant regardez un truc extraordinaire c'est ça avec la molette je joue ici donc, comme on peut le voir on a vraiment beaucoup beaucoup d'amplitude de réglage et c'est très facile on règle de cette façon ensuite sur la gauche ou sur la droite ce qui me permet d'avancer ou reculer le volant avec le joystick pareil comme on peut le voir, on a quand même une assez grande marge de réglage. Ce qui est top, c'est ensuite une fois que c'est réglé, on a le petit enregistrer ici ou restaurer. Là, j'enregistre et par exemple pour moi, c'est bon. Je referme ça. Rabattre, je peux rabattre les rétroviseurs. Maintenant, ils se rabattent et les déployer. Pareil donc ça si on veut pendant qu'on conduit, on passe dans le petite rue, on l'ajuste ici. Donc dans les contrôles rapides. Verrouillage, neutralisation des fenêtres ou sécurité enfant, ça c'est pour l'arrière. Luminosité de l'écran je l'ai ici comme un smartphone ou auto, pareil, comme un smartphone qui va gérer automatiquement. Ça, c'était le contrôles rapides. L'éclairage, on a les phares extérieurs. Donc pareil, dans le contrôle rapide, c'était des extraits d'un petit peu partout. Les feux automatiques, donc comme on vient d'en parler, le plafonnier, off, on ou auto. L'éclairage d'ambiance, feux de route automatique, donc moi je les active. Phare après la sortie, ça veut dire si vous sortez du véhicule, vous voulez que ce soit encore allumé. Rétroéclairage du volant, c'est pour les petites touches, oui ou non. Hop, on arrive en bas. Verrouillage. Là, c'est mon téléphone. Pocophone, iPhone, CB et autres, c'est d'autres téléphones qui ont été connectés. Donc ça, ça sert de clé. Donc mon téléphone est la clé. J'ai téléchargé l'application Tesla et grâce à la carte que j'ai connectée ici, j'ai pu synchroniser la carte et mon téléphone. Ce qui fait que maintenant, j'ai juste besoin de mon téléphone pour entrer dans la voiture en Bluetooth. Dès que je m'approche, la voiture s'ouvre et je démarre avec mon téléphone. Donc ça, c'est devenu les clés. Neutralisation. Pareil, je peux neutraliser et à chaque fois. Ça va mémoriser avec mon téléphone tout ce que j'ai fait. Si par exemple ma femme utilise la voiture, elle a son téléphone, elle a la clé, et lorsqu'elle va rentrer en voiture, tout va se re régler pour elle. Verrouillage par éloignement, oui. Exclure domicile par exemple au domicile, si on veut que ça reste ouvert au domicile, on peut exclure domicile. Déverrouillage en stationnement. Notification si le véhicule est laissé ouvert. Pareil, on peut dire exclure domicile et confirmation sonore. Donc on a un petit bip. Qui nous dit que, la que le véhicule est fermé lorsqu'on est en dehors. Off portière et portière et vitre. Donc ça veut dire que la voiture peut fermer les portes et les fenêtres dès qu'on s'en va trop loin du véhicule pour le fermer. Affichage. Affichage jour ou nuit. Nuit, on peut le passer en noir. J'aime beaucoup aussi en noir, par contre, on voit beaucoup plus les traces de doigts où on a le mode auto. Et donc dès qu'on va passer de jour ou de nuit, ça va passer. Luminosité, comme on avait tout à l'heure on l'a ici nettoyage écran ça ça va me permettre par exemple hop de pouvoir nettoyer l'écran et voilà et là il est tout propre c'est beau c'est brillant et maintenir pour sortir donc 3 2 1 et voilà je suis revenu ici j'ai pu nettoyer mon écran la langue français reconnaissance vocale française navigation vocale française on peut paramétrer dans toutes les langues Format, les régions, on est en France. L'heure, on a choix 12 heures, comme aux États-Unis par exemple, ou 24 heures. Affichage de l'énergie, soit en pourcentage, donc ici, soit en distance, 334 km, ou 68%. Je vais laisser en distance, j'aime bien la distance, moi. Distance, en kilomètres ou en miles, la température, en degrés, ou en Fahrenheit, et pression des pneus, en bar ou en PSI. Conduite, accélération, confort ou sport. On a la version performance aujourd'hui. Performance, c'est. Je crois environ 600 chevaux l'équivalent. Alors maintenant, on n'a plus les performances des batteries et les performances en puissance de des Tesla. Ça nous dit juste 0 à 100, 3 secondes 3, autonomie euh, 500 et quelques kilomètres. C'est tout. Il n'a plus les puissances donc confort, direction assistée, confort. Donc confort, il faut il faut démarrer la voiture. Donc pour démarrer la voiture, à pied sur le frein, et donc là, ma direction est facile à tourner standard. Ça Raffermit un peu et sport, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Ensuite, mode à l'arrêt, donc ça c'est quand on va être à l'arrêt, rampage. Donc le véhicule avance lentement lorsque les pédales sont relâchées, c'est à dire que dès qu'on relâche un peu l'accélérateur, ça avance un petit peu comme une boîte automatique. Roulement, ça roule lorsque les pédales sont relâchées, donc une sorte de roue libre et serrage, c'est le auto-hold, ça veut dire donc dès que je suis à l'arrêt, par exemple là, il se passe rien. Ensuite, on a un mode piste ici. Et un mode personnalisé. Alors, on a ici paramètres du mode piste. On peut régler 50-50 avant-arrière. L'aide à la stabilité, donc le traction control et le freinage régénératif. Ensuite, refroidir après la conduite et enregistrer les tours si on veut faire du circuit. Programmation, donc là, on peut avoir un autre mode et un mode personnalisé que j'ai appelé par exemple 1, 2, 3, où je peux régler 60% propulsion, 60% sur l'avant ou en 50-50 et je règle de cette façon assistance à la stabilité c'est le traction control je peux régler de moins 10 à plus 10 donc là par exemple moi si je veux faire un circuit moins 10 pour pouvoir justement glisser au maximum freinage régénératif 100% ou 0 ah, on peut pas descendre assis ah, on peut toujours descendre à 0 et on peut avoir 100% refroidissement après la conduite ça permet de bien mettre en température les batteries enregistrer les tours avec la caméra embarquée donc, ça, on a des caméras partout et on peut enregistrer ces tours de circuit. Ça, c'est vraiment top. Et on peut définir un point aussi pour des passages autour. Hop, mode piste. Ici, le slip start permet de libérer le véhicule coincé dans la neige, le sable ou la boue. Qu'est-ce que ça fait Slip start activé. Ok, ça permet donc d'avoir l'anti-patinage. L'autopilote. Donc, on a l'autopilote ici, le premier niveau. Donc, on a soit sans l'option, et là on a l'option à 3800 euros qui nous permet d'avoir un petit peu plus que juste le régulateur adaptatif. Donc assistance au maintien de cap, navigation en autopilote, ça veut dire que la voiture va pouvoir prendre sa sortie, etc. toute seule, et pouvoir doubler sur l'autoroute, donc lorsque vous sollicitez seulement le clignotant. Aperçu de la visualisation de conduite entièrement autonome, sortie bêta. Sortie bêta, c'est la distance qu'on va pouvoir faire avec la voiture, donc on est limité en France à pas grand-chose. 12 mètres seulement. Et distance des pare-chocs, 50 cm. Donc on peut régler la distance qu'on va avoir euh, jusqu'à où la voiture peut aller. Euh, vitesse définie. Ça, c'est les vitesses qu'on va avoir. La tolérance relative ou absolue. Relative, c'est par exemple à 50 km heure, on va en pourcentage. Ou absolue, c'est la vitesse qu'on veut, donc en km heure de plus. Avertissement, limite de vitesse. Ça va vous faire soit un bip soit du visuel si vous dépassez la limitation de vitesse. Limite de vitesse, donc je peux dire absolue par exemple, je veux pas qu'on dépasse 240 km/h ou je peux régler ici la vitesse que je souhaite, ou relative. C'est ensuite en km/h par rapport à ce que j'ai demandé. Hop, avertissement de collision frontale off, je peux lui dire de jamais me prévenir, je peux lui dire de me prévenir tard si je suis vraiment très proche de quelqu'un, moyen ou tôt. Évitement, franchissement de ligne, off avertir ou distance, selon si on franchit les lignes. Évitement d'urgence de franchissement de ligne, avertisseur d'angle mort, freinage d'urgence automatique, limitation de l'accélération en fonction des obstacles. S'il si y a des obstacles devant, la voiture va faire en sorte que vous ne pouvez pas rentrer dans quelqu'un. Navigation. Navigation automatique on a, donc qui permet d'accéder directement au domicile, comme ça le dit. Le planificateur de voyage qui ajoute des arrêts avec les recharges. Donc ajoute des arrêts à des superchargeurs si une recharge est nécessaire pour atteindre votre destination. Donc ça je vous montre juste après comment ça fonctionne. Navigation connectée, donc rediriger si le temps est supérieur à gagner d'une minute. Ça veut dire que si je gagne plus d'une minute, bah, la navigation elle va me dire comme Google Maps par exemple, j'ai trouvé un itinéraire plus rapide, une minute plus rapide au moins ou plus. Ensuite, j'ai comme Google Maps, éviter les ferries et éviter les péages. Sécurité, appel d'urgence que j'ai ici. Autoriser l'accès mobile, autoriser la conduite sans clé. Donc, ça, je l'autoriser pour pouvoir avoir juste le téléphone et ne pas avoir la carte sur moi tout le temps. Couper l'alimentation. Mode limitation de vitesse ici. Donc, on peut avoir un code, par exemple. Et on peut limiter la voiture à 140 km/h, par exemple. Le mode sentinelle qu'on peut, qu peut activer depuis son téléphone. La dashcam, on peut l'activer en Automatique ou avec le klaxon. Quand on klaxonne par exemple, ça va activer la dashcam et enregistrer dans la clé USB qu'il y a dans la boîte à gants. Airbag frontal donc passager actif ou désactivé si on met un siège bébé sur le siège ici par exemple. On a ensuite avertisseur de stationnement, le mode Joe. mode Joe permet de diminuer le volume des signaux sonores de votre voiture. Ces signaux sonores sont plus silencieux et continuent d'alerter efficacement le conducteur mais dérangent moins les passagers à l'arrière par exemple. Ah ça c'est cool parce que ça va plus travailler dans les enceintes qu'il y a de votre côté. Alarme de sécurité, soulèvement intrusion, pin pour la conduite ou pin pour la boîte, la boîte à gants. Lorsque je vais ouvrir la boîte à gants qui s'ouvre ici par exemple, hop, ça va pouvoir me demander un code PIN. Anti-surchauffe habitacle, on peut mettre avec la clim ou sans la clim. Partage des données, ça c'est pour ce qui est donné de votre voiture. Entretien, on a un manuel ici. Donc on peut aller dans le manuel qui va nous donner Comment fonctionne la voiture. Donc concrètement, là, je vous fais le manuel aujourd'hui. Ça met un petit peu de temps à charger tout de même. Euh, hop, entretien, régler les phares. Donc on peut régler le calibrage. J'entends que ça se fait tout seul. Donc ça se fait par rapport, je pense, à un gyroscope. Et ensuite, on peut régler la hauteur des feux selon si on est chargé ou pas. Remorquage, configuration des roues, notification, étalonnage caméra. Donc ça, en gros, c'est pour l'entretien de la voiture. Mode lavage. En mode lavage, toutes les vitres seront remontées, le port de charge sera bloqué et les essuie glaces désactivés. De même que le mode sentinelle, donc on a des petites options comme ça supplémentaires. Logiciel, ça, ça va être pour des mises à jour. On peut faire des mises à jour automatiques avec sa voiture. Certaines, donc par exemple les premiers modèles, ont gagné 5% de puissance en plus. On a des mises à jour de l'infodivertissement ici. Tout ça gratuitement, souvent par Tesla. Ou par exemple, on peut avoir des mises à jour lorsqu'on veut avoir on n'a pas acheté l'autopilote, on veut l'acheter après et ben on peut le faire avec sa voiture, de sa voiture. Donc là par exemple dans les packs, j'ai l'autopilote amélioré, connexion premium, donc ça veut dire que connexion premium, j'ai la musique avec Spotify qui est inclus et la navigation par GPS avec l'affichage carte. Donc ça veut dire qu'il y a internet dans la voiture et j'ai ma connexion premium. Et ensuite donc on a voiture et préférences de mise à jour standard ou avancée. La boîte à gants, j'appuie ici donc ça m'ouvre toujours ma boîte à gants. Ensuite, lorsque je démarre la voiture. Hop. Donc là, j'ai la voiture qui est démarrée. Ça me demande de mettre ma ceinture pour avoir d'autres informations. Hop, donc là, on a un changement. On a la voiture de cette façon. On peut avoir les caméras aussi lorsque je recule simplement. Ça me baisse le rétroviseur là-bas et j'ai les caméras juste ici. Je peux rebaisser pour avoir par exemple seulement la caméra arrière. Et lorsque je mettre en avant, ça va s'annuler. Si je me remets en arrière, je peux le refaire de cette façon et est-ce que si je me mets en avant Non, ça me désactive à chaque fois en avant. Je me remets en mode parking et la voiture se remet de cette façon. Ensuite, on a fait donc tout ce qui était à gauche ici. Média. Donc, média, ça va vous afficher la musique ici. Selon ce que vous aurez connecté, soit la radio, soit le téléphone, soit Spotify, soit le karaoké, soit le tune-in. Karaoké, je pense que vous connaissez. On peut avoir par exemple le chant des sirènes. Et lorsque je vais avancer, donc hop, donc là par exemple, on veut chanter. Et on a le mode karaoké pour quand on s'ennuie en voiture. Et ça, ça fonctionne pendant qu'on roule si euh, vos passagers veulent jouer avec vous. Spotify, donc on a l'abonnement premium, les playlists, etc. Vous connectez votre compte et vous avez Spotify, la radio ici, toutes les radios d'AB, plus les radios normales. On peut aller ensuite dans les paramètres, régler le son, le son est franchement de très bonne qualité déjà de base avec tout à zéro. Hop. Ensuite, donc ça, c'était les médias ici. Caméra, je peux activer les caméras simplement de cette façon avec la petite caméra qu'on a juste ici, activer, désactiver. Hop, et là, donc pareil, je peux toujours refaire comme quand, c'est en marche arrière. Le mode essuie-glace juste ici, auto. Je peux avoir le balayage une fois, deux fois, trois fois, quatre fois selon la vitesse que je souhaite. Ici, on a ensuite de quoi avoir le téléphone et d'autres applications. Donc ouvrir, fermer, samedi, appeler. Donc là par exemple, j'ai ici les noms que je souhaite par exemple, donc mes contacts. Ensuite, mon agenda que je peux synchroniser avec la voiture. Ensuite, la caméra. Donc, on a encore la caméra ici qui revient. L'énergie. Donc, ça, c'est prévision restante. Selon comment on a conduit, là, on peut voir par exemple que je me suis un petit peu énervé euh, sur la fin. Sinon, j'avais, et même comme ça, j'ai une moyenne à 19. Alors que j'avais une moyenne à 15 kWh environ aux 100 km, ce qui était vraiment très très bien. Euh, on peut regarder sur les 10 derniers kilomètres. Par exemple, j'avais une, une moyenne à 35. Voilà, je me suis un petit peu fâché pour essayer le mode sport sur les 50 derniers kilomètres et en instantané. Hop, je peux refermer. Je peux ensuite aller dans chargement. Ça me dit qu'il me reste 343 km d'autonomie. Et ensuite, par exemple, une supercharge, ça me coûtera 18 euros à Reims, par exemple. Départ programmé, je peux le faire. Et le courant ici également. Je peux retourner ici. Le web, je peux avoir une page web donc, qui fonctionne comme une page Internet hein, sur Google. Et j'arrive ici, par exemple. Sur ma page où j'étais tout à l'heure. Donc pour ceux qui le savent, moi je suis agent immobilier en plus et là par exemple j'ai un très bel appartement à vendre sur la Île rose et je peux le voir ici. Donc c'est une page internet, je peux zoomer, dézoomer, monter ou descendre. Et voilà ma petite tête. Si vous cherchez à vendre un bien partout en France, n'hésitez pas à me contacter. Petite pub gratuite en même temps pour moi-même. Ensuite le divertissement, on a là des jeux vidéo. Donc c'est bien connu, on a plein de jeux, on peut avoir les échecs et autres. Moi, celui que je préfère, c'est le Beach Buggy Racing 2. Donc ça nous dit ce que c'est ici. Et là, je veux jouer. Ok Donc je peux jouer parce que je suis à l'arrêt et je suis en mode parking. Est-ce que vous êtes prêt pour ça ou pas Donc comme un vrai jeu vidéo, ça va se lancer de cette façon. Tesla, ça nous dit un joueur, on peut jouer à deux si quelqu'un a une manette. Je vais prendre lui. Continuer. Ok, standard. Ça charge. Alors là, ce qui va être marrant, c'est qu'on va jouer avec les vrais accélérateurs et le volant de la voiture. Donc ça, c'est fun. Je peux réactiver le son. Donc là, j'ai le son. Ça va partir. Donc là, je joue vraiment avec le volant. Comme vous pouvez le voir, il faut vraiment freiner. Et quand je freine, il y a vraiment les freins qui s'affichent. Et quand j'accélère, ça accélère vraiment. Et ça, c'est vraiment... Le truc le plus cool de cette voiture, parce que lorsqu'on recharge sa voiture, par exemple, on peut s'amuser. C'est extraordinaire, j'adore. On est tous dans des mini Tesla. Pour quitter, on retombe tout là-haut. Et ensuite, théâtre, j'ai Netflix, YouTube, Twitch et tutoriels YouTube. Alors, je vous avoue que ça met un petit peu de temps à démarrer les applications. Donc, par exemple, YouTube, qui va mettre un petit peu de temps à démarrer. Mais donc, on a toujours la connexion internet de la voiture. Ce n'est pas votre téléphone qui sert de connexion internet, c'est la voiture qui est connectée elle-même. Il me semble que c'est 9,99€ en France pour avoir les connexions internet. Donc, pour avoir accès à YouTube, euh, Spotify et la navigation. Ensuite, pour avoir vos comptes Netflix. Donc, si vous avez Netflix à maison, vous pouvez ajouter vos identifiants à l'intérieur. Donc, là, par exemple, je suis sur ma page YouTube et là, je vais chercher la meilleure chaîne mécanique. Sportive, juste ici. Donc une fois que c'est lancé, c'est assez rapide. On peut aller sur la chaîne. On n'oublie pas de s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on tombe par exemple sur la première vidéo ici. Bonjour à tous. Et regardez Bonjour donc le Taycan. Le Taycan Cross Tourismo, voiture électrique, ni bret, ni très haute gamme. Et donc on peut voir, on a vraiment une vraie tablette. Hein. C'est un écran 15 pouces, donc c'est concrètement un écran de PC portable qu'on a ici. Donc hop, et ensuite je peux quitter et aller voir les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt fluide. Donc YouTube, on peut refermer tout en haut à droite à chaque fois, Netflix, etc. <laughs> Ensuite, on a divertissement et Toybox. Donc ça, c'est Toybox, comme, comme son nom l'indique, c'est la boîte à jouets. Je vais pas voir la romance. Donc romance, c'est ça. Détendez-vous. Donc là, on a du feu ici qui vient d'apparaître sur l'écran. On a presque envie de faire ça. Ça m'a activé le chauffage, ça m'a activé le siège chauffant. Et si j'appuie là, une petite musique romantique. Dès que je coupe, ça m'enlève le chauffage, etc. On a vraiment l'impression de se croire auprès du feu. Si on est avec madame ici, vous êtes sûr de conclure. Planche à dessin. C'est comme paint. Je peux dessiner ici. J'en fais ce que je veux. Je peux changer de couleur la taille du crayon, enfin voilà, effacer, et ensuite on peut même les publier. Quitter, je retourne dans ma Toy Box, donc il y a vraiment plusieurs trucs, hein. le Père Noël, on a un traîneau, etc. Et ensuite, on a autre chose là-haut. Donc je referme, hop, Toy Box, et on a un truc qui s'appelle Boombox. Ça, c'est excellentissime. Lorsqu'on est à l'arrêt, alors... Je vais vous le faire. Écoutez, jouer média actuel. Son du klaxon. Donc, écoutez bien le son du klaxon. Alors, attendez, je vous baisse ça. Je vous mets le micro dehors. DJ. Donc, à l'extérieur, ça me met des sons comme ça. Je peux faire goat. Aperçu. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre? La cucaracha. Vous êtes prêts? Écoutez dehors. Donc, ils ont mis un haut-parleur dehors. C'est juste excellent. Alors, ça, ça le fait seulement quand on est à l'arrêt et qu'on va klaxonner. Et on a plein de sons. Donc, le P, par exemple. Alors, ça, c'est pas très chic. Et la voiture pète. C'est juste extraordinaire. Ensuite. Lorsque la voiture sort, lorsqu'on est euh, stationné, donc sortie auto, on peut avoir par exemple le marchand de glace. Et ça, c'est de l'extérieur. On ne l'a pas à l'intérieur. Et après, on peut avoir vraiment rock'n'roll ou autre. Donc par exemple rock'n'roll. De l'extérieur. On a cette musique. Alors franchement, moi, ça, ça m'éclate, mais surtout le klaxon... Euh, c'est juste même des applaudissements. Ça applaudit dehors. Bref, cette voiture, c'est vraiment excellent pour ça. Ensuite, contrôle anti-pollution. Ça fait le P selon où vous êtes. Comme si vous aviez pété. Vous pouvez faire croire que quelqu'un a pété dans la voiture quand c'est quelqu'un qui l'a fait. Ou donc, P sur demande, je crois que normalement c'est quand on s'assoit. Ou sur la molette de gauche. Et après, pareil, on peut mettre plusieurs pépettes démesurées. Péodorant, oh. monotone. Ah, <laughs> oh, c'est dégueulasse. Euh, bref. Et ensuite, on a même quelque chose pour euh, créer de la musique. Donc en gros, c'est un pad comme euh, ont certains DJ pour se créer de la musique. On se crée quelque chose Ok, donc là, en gros... C'est pas mal. Et on peut ajouter des instruments. Et ensuite pareil, on peut régler comme tout hein, comme si vraiment c'était un truc pro. Donc c'est vraiment juste excellent. Et ensuite pareil, on peut toujours quitter là-haut. Ensuite, on a siège chauffant ici, trois positions que je peux régler ici, siège chauffant pour mon passager ici. Pare-brise dégivrant, vitre arrière dégivrante, le son que je peux régler ici, la température donc la clim. J'ai ici alors la clim pour que ça fonctionne. On a un mode assez spécifique pour régler la hauteur. Regardez, c'est avec les doigts comme ça. Et j'écarte si je veux plus ou moins centré sur moi. Oups, je reviens là. Donc, soit je peux diriger comme ça, écarter comme ça selon les flux d'air. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce que cette voiture peut faire. Donc, je peux étendre, monter, et pareil pour le conducteur, monter, descendre, et ensuite la température, je la règle ici. Selon si on a synchronisé ou pas, on peut monter ou pas. Donc là par exemple, je désynchronise et on a chacun de son côté sa température qu'on peut régler. Ensuite, l'allumer où on veut être aéré. Et ensuite, ici le chauffage. Je peux chauffer mon siège sur plusieurs positions et d'ici je peux régler tous les sièges. Ça c'est assez rare de pouvoir dès l'avant pouvoir régler tous les sièges et même le volant chauffant. Une option qui est excellente, qu'on trouvera sur aucun autre véhicule, c'est tout désactiver d'un coup. Et ensuite, retour au menu clim on a même le mode chien ici. Donc lorsque on sort de la voiture et qu'on a un chien, ça va afficher qu'il y a la clim qui tourne et le mode camping, c'est si vous dormez dans votre voiture, ça permet d'avoir Netflix, tout qui fonctionne à l'intérieur de la voiture et vous pouvez être à l'arrière par exemple et vous en faire un lit en ayant le véhicule verrouillé. Donc hop, je retourne dans la clim et je vais enlever le mode camping. On, je vais juste activer la clim. Pareil, on peut planifier d'ici la climatisation selon pour quand on va utiliser la voiture. On laisse en auto. Donc voilà, on a fait déjà là tous ces menus juste ici. Ouais, bien, je pense qu'on a parlé de tout aujourd'hui sur cet écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous répondre. Et ensuite, bah, il reste plus qu'à voir l'essai de la voiture si vous voulez en savoir plus lorsque je la conduis et lorsqu'on fait des tests en conditions réelles. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez été informative, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire que, bah, vous avez appris quelque chose ou si vous avez des choses à rajouter en plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça m'a fait plaisir en tout cas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao